Relax et on y va. Méconnaissable. Incroyable. Bonjour Martine, bonjour Martin. Nous sommes le 25 décembre et avant de vous expliquer ce que vous allez vivre dans cette vidéo, je vous souhaite à tous un putain de bon gros joyeux Noël. Alors avant toute chose, c'est important pour moi de préciser que ce que vous allez voir aujourd'hui en grande partie vu le jour, grâce au soutien absolument incroyable de RhinoShield, toujours présent pour les projets les plus fous et qui me voue une fidélité tout simplement sans faille depuis très longtemps. Alors je vous annonce déjà une petite surprise des amis qui arrivera plus tard, mais chut, je ne vous en dis pas trop. Tout ce que je peux vous avouer, c'est qu'elle vous titillera le point G, bande de coquines. Je ne voulais pas vous offrir une vidéo classique pour célébrer Noël, c'était hors de question évidemment. J'avais envie de folie, de paillettes. Je voulais que ce soit explosif, délirant, mais surtout inoubliable. Je pense que vous n'allez pas être déçus. Depuis des années, une émission cartonne aux États-Unis et dans le monde entier, le RuPaul's Drag Race, où sont élus bien évidemment les futures superstars américaines du drag. Une télé-réalité de dingue où tout n'est que folie, paillettes et extravagance. Et tu sais à quel point Martine aime ça. Alors aujourd'hui, on fait honneur à cet univers incroyable des drag queens en élisant notre méga star francophone parmi des noms que vous connaissez peut-être un tout petit peu. Alors elles vont défiler devant vous, se dévoiler, se libérer et vous offrir un moment totalement hors du temps pour à la fin élire la première gagnante du Martine's Drag Show. À chaque passage, une note sera attribuée à chacune et c'est à la fin que la meilleure, la perle, sera élue. Mais je ne pouvais pas porter le poids de cette décision toute seule. Et qui dit concours, dit bien évidemment jury. Pour cette toute première édition, j'ai réuni les amis The Cream of the Cream, la crème de la crème, qui m'assistera pour attribuer les notes à toutes nos candidates. Elle a d'abord mis YouTube à ses pieds, puis Internet, puis le monde de la mode, et puis finalement le monde entier. Elle est belle, intelligente, c'est une femme d'affaires absolument hors pair. Tout lui réussit. Et c'est extrêmement énervant d'ailleurs. Mais c'est avant tout une amie qui me fait l'honneur d'être présente aujourd'hui. Léna Situation. Et aujourd'hui, c'est aussi un bonheur de partager ce moment avec un duo absolument exceptionnel. Elles incarnent la beauté, l'humour, elles sont aussi sublimes que complètement tarées. Et elles performent sur scène, sur grand écran, mais également dans ma vie depuis que je les ai rencontrées. Comme Malena, elles viennent également toutes les deux de Paris. On ne les présente plus, mais je les présente quand même. Rose et Pounani. Vous êtes toutes les trois absolument magnifiques, j'en suis toute émoustillée. Alors je vous rejoins tout de suite, mais avant ça je pense qu'il est grand temps de présenter nos candidates. Nos sublimes princesses ne seront évidemment pas seules aujourd'hui parce qu'elles auront besoin de soutien tout au long de cette vidéo. Et qui de mieux les amis que celle qui incarne à la perfection cet univers depuis de nombreuses années que maman pour assumer ce rôle. Alors elle est exceptionnelle, fantastique et unique. Elle s'appelle Sugar Love. Et son univers vous entraîne dans la magie pailletée d'une vie où tout scintille. Elle est la reine des reines et guidera avec son aura, mais surtout sa personnalité, nos participantes, jusqu'à la victoire finale. Alors elle est actuellement en coulisses pour vérifier que nos reines de ce soir ne ressemblent pas à des biches perdues au milieu d'une forêt avec des talons de 30 cm. J'arrête évidemment le suspense, les amis. Découvrons les backstage où se prépare le queen du jour. Oh, quel silence. Quelle concentration! Et alors, comment ça va? Je révise en même temps, je me fais pomponner. Dis-moi, tu as une idée déjà? Tu as un nom déjà, ma chérie? Alors exactement, je m'appelle Miss Kina. Miss Kina? Mm-hmm. Et pourquoi Miss Kina? Miss parce que c'est pour le côté un peu bad bitch, tu vois, Miss. Et un peu coquin. Coquine, pardon. Et, ça commence. Hein? Et Kina, oui, c'est vrai. Faut que je fasse le processus dans ma tête. Ouais. Et Kina pour faire le jeu de mots.
Piscina. Voilà. Ok, bah, je souhaite beaucoup de bonheur à Miskina. T'as pas l'air très... Non, mais j'adore. Optimiste pour ce nom. Non, non, Miskina, bah, j'aime bien les noms vite, court. Ouais. C'est très bien. Non, non, et j'aime bien le double jeu aussi. Miskina. Merci, maman. Oui, bien celui-là. Tu te sens déjà? Ah, je commence à être dedans. Oui. Ah, là, ça y est, je commence à être imprégné. Je peux te dire déjà, c'est magnifique. C'est vrai? C'est. Bah, raconte, tu as déjà trouvé un nom? Bien sûr, j'ai un nom. La Queen Aman. La Queen Aman? Oui, mais sauf que. La Queen? Cette blague ne marche pas du tout sur les Belges. C'est une pâtisserie bretonne, le Queen Aman. Mais ça ne s'écrit pas du tout Queen. Là, je l'appelle la Queen Aman, elle est gourmande, elle vient de Bretagne. Mmh, tu vois ce que je veux dire? Okay. La gourmandise, c'est son vilain défaut. Ah, d'accord. C'est très sucré aussi à la fin. C'est non? Très sucré salé. Voilà, comme Sugar Love. Donc, oui. C'est la famille alors. C'est la famille. Surprise! Mama Sugar. Comment ça va? Comment allez-vous? Ça avance bien aussi. Tu te sens déjà un peu? Ça commence. Oui. Petit à petit, là, j'en suis ici. Ça va bientôt monter petit à petit. Pas la position, hein? Ouais, là, c'est encore un peu alors. C'est pas ce que ça dit. C'est pas encore alors, ça, hein? Faut que je travaille un peu ma tenue, que je sois un petit peu plus... Et le nom? T'as déjà réfléchi? Un nom? J'ai le nom. Alors, c'est Ruby Gaga. Ruby Gaga? Voilà. Ruby Gaga. Et pourquoi Ruby? Ruby pour la pierre précieuse, le standing, quelque part. Et Gaga, bon... Parce que tu es un fan de Gaga. Référence à Gaga, effectivement. Ruby. Courage. Il va falloir que tu me soutiennes, j'aurai besoin de toi. Hein. Je suis avec vous. Parfait. Ok. Donc, on se voit bientôt. Ça marche. Comment ça va, mon chou? Concentré. Bien. Je révise. Et stressé? Non, concentré, motivé. Stressé, ça va. Hein. Et attends, répéter. Tu as déjà réfléchi pour un nom? Bien sûr. Et? Je te dis mon nom? Lady Commandement. Lady Commandement. 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 Lady Commandement. Ouais. Commandement. Tu as le jeu de mots? Tu vas donner, oui, tu vas donner les règles. Non, mais on sait jamais. Si, oui. J'ai pas l'impression que... Non, j'ai compris. Les gens derrière le réponse ont compris. Si, j'ai compris. Lady Commandement. Très, oui. Très bien. Je te souhaite beaucoup de bonne chance. Bye, Sugar Love. Et on se voit bientôt. À toutes. C'est l'heure du tout premier challenge. Alors, il est très, très simple. Mais il peut déjà... nous faire rêver, je pense. Le best catwalk. Simple, okay. Efficace. C'est dur. Mais potentiellement une petite entorse à la clé, les amis. Oh, j'espère. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est parti pour notre toute première candidate. Putain, j'ai mon cœur qui bat à 1000 à l'heure. Oh my god, bitch. Let's go. C'est le moment du best catwalk. Relax, darling. Oh my god! What? Linda. Oh la la. I'm speechless. Je suis speechless. Oh. Oh. Wow. She's a cat. Wow. Oh my god, les talons, ma vie. T'as une fleur un peu. Bonsoir les filles. Merveilleux. Je suis complètement speechless. Wow. Ma chérie, présente-toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Je suis Miskina, mais je ne sais pas si c'est vraiment utile que je me présente, vu que je suis une gigantesque star. Et pour les ploucs qui ne me connaissent pas, je suis donc Miskina, je viens de Nice. Et là-bas, il y a autant de surfeurs que de queens. Et comme vous le savez, il n'y a qu'un surfeur à Nice, autant qu'il y a de queens. Et la queen, c'est moi. J'aimerais ajouter que lorsque Miskina passe, tu trépasses. Et lorsque Miskina domine, tu t'inclines. Je ne peux qu'applaudir. Oui. C'est le moment des votes, les amis. Alors, elle est merveilleuse, mais combien de points pour ce catwalk, Léna? Moi, je suis le soutien émotionnel hein, de cette émission. C'est simple. C'est un 10. Oh, oh, what? Je ne m'attendais pas vraiment à ça, mais c'est... J'ai envie de te en dire, même temps, c'est une évidence. Je sens une vraie transformation. J'adore le fait qu'on garde les petits binocles. Ouais. Oui, les lunettes, ah ouais, c'est le rajoute. C'est le détail qui tue. Le détail qui tue, mais... et les recherches pop culture. Je vois des mèmes. Je vois des phrases cultes et ça me plaît. Je savais que ça allait te plaire, Léna.
Donc Queen. De Queen à Queen. De Queen à Queen, on se comprend. Moi, j'aime ton attitude. Mm-hmm. J'aime beaucoup le changement de voix. J'aime le personnage que tu t'es créé. J'aime aussi beaucoup ces petites lunettes. Je dois dire que ça rajoute. Et on les oublie, elles font partie de toi. Et pour ça, je mets un 9. Wow. C'est des belles notes, là. Hein. C'est des belles notes. Pounani, on t'écoute. Moi, je vais suivre mon ami de toujours. Je vais aussi mettre un 9. J'aime beaucoup ton attitude. J'aime le côté un peu floral, avec les collants telle une tige et la robe qui vient telle une floraison, peut-être. Ouais. Et mention quand même spéciale pour les lunettes, hein, qui rajoutent ce petit côté un peu technologique, un peu informaticien, peut-être. Ouais. Mi-geek, mi-soumise. Me concernant, plus soumise. J'hésite. Je pars aussi sur un 9. C'est magnifique. Vraiment, ce sont des superbes notes. Hein. Vraiment, Miss Kina, tu es ravissante. Je trouve le travail de texture, la colorimétrie de cette robe, c'est osé. C'est ouais. Osé, hein. C'est, ça fait, mine de rien, très princesse. Mais, oh, on n'a pas vu la fin. Mais n'oubliez pas qu'elle arrive à quatre pattes. Hein. Princesse, mais... 37 points pour Miss Kina. Merci, ma chérie, tu peux aller t'asseoir. Que je mérite. Évidemment. 37 sur 40, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et en plus, elle débute et c'est dur de débuter. Ouais, complètement. Commencer la première, c'est rarement évident. Oui. Attention, mesdames, c'est parti. Place à notre deuxième candidate. Let's go! Tu me montres la queen en main. Magnifique, baby. Mais c'est McFly ? Non, c'est qui ? Je meurs ! Mais oui ! Oh non, mais non ! Oh ! Youtube ! Oh ! Rinoshi ! Ça va barder, ça va ! Oh my god ! Elle est méchante, hein ! Elle est vilaine ! Elle est vilaine, allez. Elle est vilaine, vilaine ! Oh my god! On a une vilaine face à nous, je pense. Mais quoi? Elle est incroyable! Pas du tout? Pas du tout. Alors présente-toi, ma chérie. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle la Queen. Aman. Elle est bretonne. Elle est bretonne. Je viens de Bretagne, d'un petit village qui s'appelle Bourblanc, dans le Finistère. Elle parle très lentement. What's funny? Any questions? Moi, je suis bouche bée. Personnellement, j'ai peur de cette queen. Non, on est pas peur. Je suis effrayée, en fait. C'est vrai qu'elle impressionne. Elle est vraiment impressionnante. Ouais. Je peux vous dire pourquoi je fais ce show? Mais bien sûr. Absolument. Je souhaite être repéré par Cédric Gourlet, car je suis très très fan de Cédric Gourlet, et j'espère qu'il puisse me repérer afin que je puisse donner naissance à une tripotée de Gourlet. Alors, je dois avouer qu'au niveau de la robe, je suis un peu jalouse. Elle est magnifique aussi, la tienne. Arrête. J'ai l'impression que tu as mis un peu les strass à un autre endroit, mais c'est une bonne idée également. J'adore le maquillage, il est magnifique. L'attitude, superbe. J'aime ce personnage un peu à la fois vilaine, mais qui n'a pas trop de temps et qui est un peu chippie. Je sens un peu chippie. Chippie bretonne. Il faut que je mette une note, c'est difficile. Je pense que je vais mettre. Je crois que je vais rester dans mon 9. Belle note, ça! Belle, belle note. Bravo, Queen. Moi, je vais suivre mon ami. Ça n'est pas coutume. Je vais partir aussi sur un 9. J'aime beaucoup ce côté un peu méchante, un peu j'ai pas le temps, comme tu as dit. Et puis, j'aime la Bretagne. La Bretagne, ça vous gagne. Je crois que c'est là-bas. La montagne, peut-être. La montagne. Bon, tu vois, c'est pareil. Finalement, peu importe. La Bretagne, ça vous gagne. Pour moi, c'est un très beau 9. Hein. Et un 9 pour une Bretonne dans une crêpe, ça fait une crêpe complète. Très, très belle note, Léna. Moi, je vais partir sur un 8. Alors, méconnaissable, mais j'ai eu du mal à reconnaître la personne qui est passée. J'ai dit, mais qui c'est? De qui vous parlez? Je ne sais pas, justement. Je le cherche encore. Il n'y a que la Queen Aman ici devant vous ce soir. J'aime l'humour. Vraiment un big up pour les plateformes. Je sais à quel point c'est pas les chaussures les plus évidentes, mais ça se voit pas. Et tu me fais un peu penser à une belle-mère méchante avec qui j'aimerais pas être à table, mais qu'il faut convaincre, et une fois que tu creuses un peu, tu te rends compte que c'est finalement la belle-mère gâteau et qui est la plus sucrée de toutes. Du coup, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur toi. Et je connais bien Cédric. On peut s'arranger. Un 8. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Non. Moi, je vais mettre un 7. Oui, parce que j'ai pas trop aimé justement, parce que c'est quand même le challenge catwalk, et je ne l'ai pas trouvé si réussi que ça. Tu fais bien de le rappeler. Mais oui, alors la tenue, le côté bad bitch, dark bitch, you know what I mean girl, like, we get it. But
j'ai trouvé quand même que le moment catwalk était un petit peu... Oh, oh là là, elle c'est ça qu'on rattrape. Voulait voir. Mi-figue, mi-raisin, finalement. Mi-figue, mi-raisin, finalement. Mais non, je reste, tu peux faire tous les petits pas chassés. Je reste sur le 7. On arrive donc sur une note de 33, qui est quand même une très très belle note, 33 sur 40, pour premier challenge. C'est very good. Merci ma chérie, ma beauté. Tu peux aller t'asseoir auprès de notre première candidate. Nous partons donc maintenant vers de nouvelles contrées, une autre candidate. Une autre région, peut-être. Peut-être une autre région de France. Qui sait? C'est parti, mesdames, mesdemoiselles, notre troisième candidate. J'ai l'impression que c'est une grosse. Oh là là. Oh my god. Waouh, waouh. Elle est vulgaire. Waouh. Oh, j'adore. Waouh. Oh, les seins. Oh là, la poitrine. Oh là, mais la poitrine. Ouais. C'est incroyable. Pour moi, c'est fou. Wow! Sublime, sublime. Nous avons en face de nous une demoiselle absolument délicieuse. Alors, ma chérie, oui. Tu es merveilleuse. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lady Commandement. Lady Commandement. Eh bien, justement, je trouve ce costume, trouve-toi qu'il fait très, très comédie musicale. Ça fait un peu princesse perdue dans les bois. Complètement. Un petit peu. Mais on est aussi sur une queen qui assume une barbe habillée. Ça, j'aime beaucoup. Et est-ce que vous voulez connaître mon histoire? Mais quelle est ton histoire, Luc? Que vous parlez entre vous, tac, oui, tac. On discute, c'est vrai. Entre vous. Elle est odieuse, hein? Elle est vraie. Elle est odieuse. Mon père était ministre de l'Intérieur et ma mère travaillait dans un bar à cocktail. Je suis le mélange des deux. J'ai l'autorité, j'ai la joie, j'ai la rigueur, j'ai la fête. On va voir quel côté de moi va ressortir ce soir. Je pense que ce sera la fête. Oh. La fête, hein. Je l'espère. Oui. Bon, en tout cas, c'est le moment des votes. On va commencer avec Léna. Pour ce premier challenge, challenge catwalk, combien mets-tu sur 10 pour Lady Commandement? Lady Commandement, j'apprécie le fait que tu aies décidé de jouer la barbe rouge. Ouais. Je connais un pirate comme ça et je suis ravie de te voir comme ça. Tu me fais un c'est peu peur, donc je vais pas te mettre une mauvaise note. J'ai peur que tu viennes me faire du mal avec ton autorité, donc je te mets un 8. Merci. Très belle note. C'est bien 8. Très belle note. C'est beau. Le catwalk était beau. On a eu le droit à un aller-retour, on a eu le droit à une petite pirouette, on a eu le droit à avoir un peu de fesses. Ouais. C'est ce qu'on demandait. J'ai beaucoup aimé la barbe. J'aime ce look. Attention, parce que le corset, c'est pas quelque chose de facile à porter quand même. On en sait quelque chose. Les seins, comme ça, qui sont du monde au balcon, à la salle des fêtes, on est partout. Et j'aime ce rose poudré qui te va à ravir. Pour ce truc qui dépasse, je mets un 8. C'est une belle note. C'est une belle note. Très chouette. Nani, on t'écoute. Moi, pour le catwalk, j'ai aussi beaucoup aimé. J'ai aimé, on a joué avec la robe un peu. Ouais. Très Victoria's Secret. J'ai beaucoup aimé. J'aime ces associations de couleurs un peu fruitées. Un peu framboise, un peu cocktail, tu cocktail. Vois. Moi, je pars sur un 7. Oh. 7. Et alors, moi, je vais mettre également un 8. J'adore la tenue. Je trouve que ce rose associé au rouge te va à ravir. Ça te va vraiment très, très bien au teint. Cette barbe rouge, ça fonctionne. Finalement, ça fonctionne. Sachez que j'ai du désir pour moi-même. Mais je le sens. Oui, je l'imagine. C'est mon parfum nommé désir. C'est ça que j'ai senti tout à l'heure. J'adore. Tu es merveilleuse. Merci, tu peux aller t'asseoir en tout cas. 31 points donc, pour Lady Commandement. Nous passons maintenant à la quatrième et dernière candidate. Ça devient chaud, les amis. T'es magnifique. Prends ton temps. Faut pas exagérer. Relax et on y va. Ah non, c'est bon là. Access. Oh, le regard. Wow. Oh, le make-up. Oh là là. Waouh. Les hanches. Les chaussures fraîches. J'adore. Les fesses. Les fesses. Oh, regarde. Non, mais le. Oh là là. Et mes canonistes. Aïe. Oh là là, elle est excellente. Elle est au terme. Incroyable. Elle est au terme. Mauvaise.
Et mais elles sont toutes, elles sont quand même toutes très mauvaises. Oui. Oui. Il y a vraiment ce petit côté bitchy chez toi. Ouais. Ouais. Ma chérie, présente-toi. Qui es-tu? Tu es merveilleuse. Je suis enchantée d'être là déjà. Mon nom est Ruby Gaga. Gaga. Je suis espagno-polonaise. Quelque part entre Varsovie et Barcelone. J'adore la danse. Voilà, matin, midi, soir. Wow. Mais je suis sur le cul. Mais littéralement, je n'ai pas les mots. Ruby Gaga, ma que increíble, mais que madre mía, ma tu es merveilleuse. Arrêtez. Moi, je l'aime déjà. Oui, je l'aime. Oui. Je l'aime de tout mon être. Bon, par où commencer? Unani, que dire? Moi, je trouve que c'était un catwalk exceptionnel. Je ne vais pas m'étendre plus qu'une tortilla, mais pour moi, c'est un grand. Premier 10. Superbe. J'aime ce personnage entre une espèce de cantatrice, danseuse. J'aime ce côté méprisante et attachante. Méprisante. Superbe. Je n'ai rien à dire. Les hanches sont un peu basses. Mais c'est un côté à défaut qui n'est pas sans être délectable. Tout à fait. Moi, j'ai envie de mettre un 10 aussi. Oh my god! Oui. C'est monumental. T'as régal. Est-ce que nous allons avoir un troisième coup de bouche bée. Je ne sais pas comment on dit en espagnol, mais. Oh mon dieu. Oh, waouh. Oh là là. OK. Bon. Ému. Wow. Bon, c'est dur de passer après 3-10 quand même, hein. Tu nous suis. Je vais mettre un 9 pour la forme. C'est beau. Plus un point. Oh, Ruby Gaga. Non, je reste sur mon 9, mais ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on est quand même dans un univers au niveau des cheveux qui finalement est assez natural. Oui, absolument. Avec des strass quand même. Avec des strass, mais il y a quand même ce côté. On dirait un peu ma tante Carmen. Un peu finalement. Carmen est magnifique. Merci ma chérie. Tu peux évidemment t'asseoir. 39 points pour Ruby Gaga. Bravo. C'est énorme, Ruby. On fait un petit tour dans notre classement sans grande surprise. 39 points pour Ruby Gaga. Bien entendu. Bravo. 37 points pour notre chère et tendre Miss Kina. 33 points pour Queen Aman. Okay. Et 31 points, la dernière place, pour Lady Commandement. Minable, mérite plus. Bon, mes chéris, je n'ai plus les mots, mais en tout cas, il y en a une qui les aura, je pense. Il est temps maintenant d'accueillir Maman. Oh, dernier éventail. Let's go. OK. Wow. OK. Oh, wow. D'accord. Oh. Elle est là. Ouais. OK. Bravo. Oh. Bravo. Elle est bienveillante. Ouais. Wow. Bon, regarde, elle prend. Regardez. Elle est là, elle le sait. Oh. Adore. Trop bien ton. Oh. Maman, quel plaisir de t'avoir parmi nous. Le plaisir, c'est tout à moi. Ah. Je suis émue, fière de tout le monde. C'était très chaud les coulisses. Parce que les filles, elles ont bossé du début à la fin. Ouais. Et vous avez fait un travail magnifique. Grâce à toi, merci, maman. Merci, maman. Il y a toute une équipe. Bravo, bravo. C'est pas évident. Hein. Jusqu'à maintenant, ils ont vu le processus du maquillage, perruque, costume, catwalk. Maintenant, c'est la grande surprise bientôt, non? Oui. C'est voir. Parce qu'en effet, maman, elles ne se sont pas encore vues. Elles se sont déjà découvertes les unes les autres. Voilà. Mais c'est le grand moment du miroir. Et tu vas les accompagner dans ce grand moment. J'ai la grande honneur de faire ça. Vous êtes prêtes? Oui, bien sûr. Toujours. Bien sûr. Qu'on apporte le miroir à maman. Attention, c'est parti pour le grand moment reveal dans 3, 2, 1. Oh la vache. Purée, mais c'est, on est trop belles tous les quatre là. Les filles, c'est dingue. Mais... Attendez. Je suis magnifique. Mais regardez. Je me kiffe. Mais les gars, je suis fraîche de ouf.
Attendez, quand j'ai dit que j'avais du désir pour moi, c'est... Ah, mais là... Après, je suis convaincu. Vous êtes incroyable. Maintenant que vous pouvez voir l'image de Drake, vous croyez que ça peut changer votre personnage? Oui, ça aide un peu. Oui, ça aide. Oui, oui. Là, c'est parti, hein. C'est ça. Il y a plus de confiance. Le miroir, c'est très important. Ah, c'est, oui. C'est avec le miroir qu'on construit petit à petit le personnage. Par contre, Ruby Gaga, un boule vraiment. Ah bah. Attendez, qui a le meilleur boule? C'est une autre émission. Qui a le meilleur boule? Sincèrement. Bah ouais, Ruby. Franchement, sans hésitation, Ruby. C'est Ruby. Mais on est les Total Spies. Non, mais alors attendez, parce que là, faut faire bravo à l'équipe de maquillage. Ah ouais. Stylisme et tout, parce que là, en plus, les couleurs. Elles se mettent trop bien ensemble. Raison. Comment vous êtes dans vos talons? Très mal. Très mal. Non. Non, les talons, non. On s'y fait. On s'y fait pas du tout. T'as les chaussures fermées. Moi, ça me bousille. Ouais. Oh, c'est super. Ah oui, les orteils. C'est mieux fermé. Je l'ai fait. Terminé de rigoler. On passe à la suite. C'est parti. Bon, eh bien voilà, on a pu déjà découvrir entre-temps qui possède le plus de glam et de classe et de paillettes, mais ça ne suffira pas, les amis. Oh non. On va bientôt passer au deuxième et dernier challenge. Mais avant toute chose, je vous avais promis en début de vidéo une petite surprise. Et Martine. Une surprise. Tient toujours ses promesses. Et je ne pouvais pas passer ce réveillon sans le seul, l'unique, celui pour qui nous sommes gentils toute l'année. Oh si, le roi de la boule. Celui qui illumine notre guirlande du bonheur, j'ai envie de dire. Père Noël. Avec moi tout le monde. Et où est Il est tout chaud là. Cadeau. Les verres, c'est les trucs. Ah oui, c'est les casettes, c'est aussi un cadeau. 910. Attention, ça peut être comme Dieu. Parce que. Père Noël. Oh mon Dieu. Yeah. Père Noël, j'ai été très gentille cette année. Aussi une petite photo. Petite photo. Une photo comme ça. Non, mon Dieu. Un téléphone au sol. Oh, Père Noël, quelle élégance. Quel dommage qu'il n'y ait pas une bonne grosse coque sur ce téléphone. Mais, mon Dieu, Père Noël, que fais-tu? Ta hôte m'a l'air bien remplie, dis donc. Mais attendez. Si, serait-ce une coque Rhinoshield? Cela voudrait-il donc dire que nous pouvons tout bonnement jeter nos téléphones à tes pieds, Père Noël, sans qu'ils se brisent? C'est magnifique. Et la collection est absolument exceptionnelle. Et évidemment, la bonne grosse cerise sur le gâteau. C'est Noël aussi chez Rhinoshield. Et pendant 48 heures, tous les accessoires sont disponibles sur leur site avec une réduction de 15% grâce au code GROSSEBUCHE. Coque d'AirPod, grippe et des coques d'iPhone, toutes compatibles MagSafe et totalement personnalisables. Harry Potter, DBZ, des choix de malades. Et aussi évidemment en collaboration avec plusieurs artistes. Bref, c'est Noël. Pâques et la fête des mères à la fois. Encore un merci gigantissime à nos amis de Rhinoshield de nous avoir permis en tout cas de construire ce décor absolument merveilleux. En tout cas, Père Noël, merci d'être venu parmi nous. À l'année prochaine, Martine. Bon, eh bien, c'est parti pour le tout dernier challenge de cette merveilleuse journée. Alors, ça part sur un duel. Oh. Chacune va devoir s'affronter en one versus one sur une chanson imposée. Vous l'avez donc compris, ça part en lip-sync challenge. Et bien évidemment, tout ça accompagné d'une danse suavemente. C'est Noël, donc évidemment, je veux de la mère Noël ce soir. Nous allons donc inviter nos candidates à rejoindre Sugar Love en coulisses, car une toute nouvelle transformation les attend. J'ai hâte de voir ça. Comment tu te sens après Je me sens bien maintenant que je me suis vu. Je sais plus mon personnage, beaucoup plus jovial. Sans me voir, je me suis dit, bon, bah, je vais aller un peu au pif. Mais là, du coup, j'hésite entre soit je suis une peste, soit je suis en amour. Est-ce que je vais prendre le peste parce que dans la vraie vie, je suis un sucre. Je suis très fier de vous. Vous avez fait un travail incroyable. Merci, Marc. Vous avez eu beaucoup de patience aussi. Hein. C'était sage, non? Ah oui, tout à fait. C'est bien, je suis très content de mon avis. Bravo, tu fais un grand bon travail. C'est vrai, j'ai eu la pire note. Maintenant, on va faire encore le dernier défi. Et je crois que ça va être la bataille. Donc, les filles, merde! Thank you, sugar man! Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, swing it, jingle bell, swing it.
les démontre, celle-là. Mais incroyable. Ah oui. On dirait la scène dans Mean Girl. Oui. C'est vraiment ça. Oui. Là, vous avez la rêve, c'est bien. Oh. Oui. Là, le dessus, c'est magnifique. Ah, ouais. J'adore. Merci, mesdames. Vous êtes radieuses. Applaudissez. Bravo. Absolument. Alors attention, on va débuter donc le premier duel. Je vais donc demander à Lady Commandement et Ruby Gaga de rester au milieu de la scène. Les autres, vous pouvez aller vous asseoir avec Sugar Love. La pression, mon Dieu. Bon courage les filles, donnez tout. Merci. J'espère que vous êtes prêtes. Oui. C'est le moment potentiellement décisif. Oui, mon Dieu. Ça va, Lady Commandement? J'ai une crise de panique, quoi. C'est vrai. Mistletoe, voilà le vocabulaire dans la chanson à venir. Attention, concentration, musique dans 3, allez. 2, allez, donne tout. 1, c'est parti. Allez. Oh, mais... Non, mais vraiment. Ah, mais un sixième. Ah, elle est... Elle est déjà. Oh. Wouh. Wouah. Ah, ah. Oui, hein. Attends, il y a un souci, là. Oh, le lip sync est très très bon. Oui, il est très bon. Très très bien paru. Oui. Là, on regarde beaucoup le sol quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oh. Oui, 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 oui. Elle vole quand même un peu la vedette. Hein. Oui. Elle joue avec l'audience. Là, c'est timide. Ah, mais c'est timide un peu. Déçu. Un jeu ensemble, c'est sympa, tu vois. Mais elle est très glam quand même. Elle est glam. Elle est quand même très élégante. Hein. Oui. Très élégant. C'est son côté espagnol. Mais elle ne regarde pas du tout. Non. Il n'y a aucun jeu de regard. Flash. Ah. Oh. Oh. Aucun regard. Non. Oh, c'est dommage. Où est le regard? Tout est pour le tas. La caméra. Oh, 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 oh. Aya, oh, t'es fait là. Ah, une complicité. Oh, le ad-lib, il est là. Oh. Oh. Wow. Bravo! Oh, les queens! Blim! Oh, sublime! C'est pas facile! J'ai adoré la presta! Vous étiez heureuse de vivre! Bravo, c'est un bonheur à faire! C'est un chaud! Bonheur à faire! Alors, c'était un bonheur à regarder! À vivre! C'est vrai, ça vous a plu? C'était très très beau! Mais j'ai hâte d'avoir l'avis de notre jury! On va commencer par Léna! Qu'as-tu pensé de cette prestation? Je t'ai trouvée élégante, prestante, port de tête royale, mais timide! Ouais. Quant à toi, je sentais que tu étais au début sur la réserve et que petit à petit tu t'es rendu compte que c'était un exercice quand même super fun et tu t'es lâché et j'ai apprécié voir cette évolution de au début on regarde les camarades parce qu'on n'est pas très à l'aise et puis au final on danse pour soi et j'ai apprécié et c'est vrai que mon regard s'est un peu plus porté vers toi parce que tu avais fait l'effort d'apprendre certaines paroles même si on sentait que la traduction n'était pas au cerveau. Eh bien, tu as fait l'effort de faire un vrai lip-sync. Du coup, combien pour Lady Commandement et combien pour Ruby? Ruby, je te donnerai un 7. Le look est sublimissime. Oh, L'élégance. Un 7 pour... Merci. Toi, ma biche. Et ça se joue à un point. Ooh. Avec un 8 pour... Ok, déjà, avance pour Lady Commandement, Rose. Ruby Gaga, superbe. Un très beau port de tête, effectivement, avec comme ça un regard toujours assuré, mais un peu trop dirigé vers le tapis et moins vers nous. Un peu dommage. J'aime la gestuelle, quand même assez élégante. Je te donne un 6. Ah... Pas mal, oui. On est quand même au-dessus de la moyenne. Lady Commandement, déjà j'adore ce look un peu Jessica Rabbit. Au début, tu nous as un peu surprise parce que tu étais là un peu à être en panique. C'est maintenant, il va falloir que je lip-sync. Et puis en fait, ça a commencé et directement, mon regard a été porté sur toi, sur tes gestes, sur tes mouvements. T'as même emporté Ruby comme ça dans une danse effrénée. Je dis oui. Et pour ça, je dis... Ouh. Ah, je dis... Oh. Ah, je
Pounadine. Ok, bien, Pounani. Absolument, moi je dois dire que j'étais happée également par toi, Lady. Tu m'as fait sourire, tu m'as fait rire, tu m'as fait vivre un rêve que l'on ne vit que... pour moi, c'est également un 9. Mais belle note. Wow. Le tapis a plus pris que nous, finalement. Et pour cette raison, mais belle énergie, je vais donner un 7. C'est juste ici. Je le prends. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Clairement, on a eu un jeu de regard. Tu nous as appelés. Mais il y a une constance que j'ai beaucoup aimée chez Ruby Gaga. Peu importe, j'adore ce look. Ce look plume, je le trouve incroyable. Très Austin Powers. J'aime beaucoup. Mean Girl. Très Mean Girl aussi, ouais, c'est vrai. La scène de Noël. Complètement, absolument. Mais moi, j'ai quand même envie de mettre un 8 pour Ruby Gaga. Merci. Mérité, ma belle. Pour Lady Commandement, je suis vraiment étonnée. Je ne m'attendais pas à un bon lip sync. Et il n'était pas bon, il était excellent. Je mets un. Oh là là, oh my god! Ça me fait plaisir. Lady. Comment va son père? Commandement? Lady. Vous avez des cartes. Oh, joli! Je vous invite à vous rasseoir, mesdames. Nous allons passer au deuxième duel. J'appelle bien évidemment Miss Kina et la Queen Amman. Cette robe en tuiles. En tout cas, elle aura été princesse du début jusqu'à la fin. Concentration, s'il vous plaît, mesdames. Attention, musique dans 3. 2, 1. Hey, yeah. Yeah, yeah. Oh, c'est très très fort. Oui, là. Là, ça va être dur. C'est où? Il est à fond. Ouh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Recule pas trop, David, recule pas trop. Ouais. Ouais. Ooh, yeah. Très très fort. Waouh, ouais. Wow. Ça tente des choses en plus. Oh. C'est fort, hein? C'est trop trop bon, hein? Qu'est-ce qu'elle est belle. Très bon. Excellent. Elle est canon. Hein. Ah ouais. Elles sont très bonnes. Très bonnes. On allait faire un peu plus biche perdue, je trouve, chez Miss Kina. Tu vois. C'est son côté niçoise. Oh. Clairement biche perdue. Hein. On est sur un voile un peu compliqué aussi. Waouh. Eh mais c'est oh. Eh mais les paroles, c'est très très bon. Hein. Oui. Oh. Oh, la perruque va faire bon. Wow. Oh. Avance-toi, on veut encore, encore. Avance-toi. Oui. Par contre, il y a de l'émotion là. Oui, oui, oui. Il y a de l'émotion la là. La chanson. Hein. Oh. Voilà. Voilà. Bravo, bravo, vous étiez toutes les deux exceptionnelles. Vous nous avez vendu du rêve du début jusqu'à la fin. Bravo, c'est effectivement un exutoire, ah oui. Un bonheur sans nom. Ah, ça fait du bien quand ça sort. Mais... Hein? Bon, mesdames, incroyable. On va passer tout de suite au score. On débute avec Léna. C'était très beau pour vous connaître dans la vie perso. Je n'ai pas vu un seul bout de votre âme. Ah, j'ai oui. Vraiment vu des alter ego, des nouvelles personnes. Vous m'avez donné envie de danser avec vous. C'était sublime. C'est assez simple. On est sur un 9 pour Miss Kina. Oui. Wow. Il y avait de l'émotion, de la danse, mais... Il y a eu vraiment un énorme coup de cœur et un réel travail en amont parce que tu connaissais absolument toutes les paroles par cœur. Et je suis pas sûre que cette musique était initialement sur ta playlist. Waouh. Bravo. Moi aussi, c'est par cœur. Bravo. C'est par cœur également. Mais... Attendez, excusez-moi. Miss Kina, vous avez... Miss Kina de mauvaise foi. Oh, non, 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 ah, vous êtes... Miss Kina a un petit caractère. Juste... Si on juge le connaître par cœur, je connaissais par cœur. On va le faire foutre. D'abord, j'aimerais quand même qu'on salue le travail des stylistes. Oui, je pense que c'est tout à fait, bravo. Incroyable. Merci beaucoup. Parce que ces robes vont peut-être disparaître si vous les laissez dans un coin un peu trop... Vanessa, du bruit pour Vanessa, s'il vous plaît. Absolument.
Donc vous avez été toutes les deux extraordinaires, vraiment. Standing ovation, c'est quand même assez rare. C'est très dur de vous départager, je suis autant émoustillée que toi. Oui. Je pense que je vais mettre. Ah, ça commence pour moi. Ça commence pour moi, j'ai l'impression. Peut-être que ça va commencer pour toi, effectivement. Ah. Miskina, tu as été exceptionnelle. J'ai aimé ton côté niçoise qui est ressorti dans ton Mado à la niçoise. Un peu drama queen. Exactement. Un peu énervée, mais à la fois heureuse de vivre. Et pour ça, je vais mettre un 9. Oh. Quant à toi, la Queen Amman, eh bien, je te mets un 10. Oh my God! Est-ce qu'elle va avoir le premier perfect de ce format? Ça serait incroyable. J'ai trouvé que c'était totalement exceptionnel. Tu as ressenti toutes les paroles. Effectivement, très beau travail des deux. Hein. Absolument. Ah ouais. Tout était par cœur exceptionnel. J'ai cru que c'était Xtina qui chantait. Je vais mettre un 10 à Miskina. Oh! Et je te mets un 9. Mais j'ai beaucoup aimé tes petits sauts un moment. Ah oui, c'était exceptionnel. Très gracieux. Et voilà, bravo, je vous félicite. Enfin, des petits sauts là-dessus pour la première fois de ma vie. Je vais donner un 10 à la Queen Amman. Oh, mais c'est incroyable. Vraiment, je suis sous le charme, je suis subjuguée. C'est incroyable, vraiment. Un 9 pour Miskina. Mais je le prends. Mais parce qu'en fait, il y a eu tellement de changements en si peu de temps. À un moment donné, tu étais triste et perdue. À un autre moment, tu étais un peu gangster. À un autre moment, tu étais dans vraiment ton personnage. On a retrouvé la Miskina du début. D'accord. Les 10 commandements et Ruby Gaga, je vous invite à rejoindre nos deux autres candidates. Venez les filles, nous allons faire un petit tour vers les points, vers notre classement. Nous avons les résultats, ça y est, ils sont tombés. Nous avons donc fait le calcul. Vous avez été toutes absolument exquises et merveilleuses. En troisième position, je dis bien troisième, car nous avons une égalité. Avec 67 points, Lady Commandement et Ruby Gaga. Oh, égalité. Queen Amman, 72 points et 74 pour Miskina. Un costaud. Actuellement, notre duel pour la finale, c'est donc Miskina et la Queen Amman. Mais tout peut basculer car Sugar Love possède 10 points supplémentaires qu'elle peut remettre à l'une d'entre vous. No. Je tombe des nues. Ouais. Nous t'écoutons. Écoutez, avant tout, bravo à toutes les filles. Vous avez fait un travail magnifique. Vraiment pas que ça. Vous avez appris quelque chose de nouveau. Que le drag, c'est surtout s'amuser déjà. Je suis très, très fier de vous. Est-ce que je peux me donner mes 10 points? Of course. Ton coup de cœur. Je donne à toi, ma chérie. Parce que, encore une fois, vous avez vraiment très, très bien travaillé. Mais toi, tu as donné vraiment un truc extra. Ta performance était vraiment au top. Et le lip-sync était au top. C'est vrai. Bravo. Bravo. Donc voilà. Merci, Christina. Cela ne fait donc que confirmer notre duel final entre Miskina et la Queen Amman. Bravo. Bravo, les filles. Bravo aussi évidemment à Ruby Gaga et Lady Commandement. Vraiment félicitations, vous avez joué le jeu du début jusqu'à la fin. Je vais évidemment inviter nos deux perdantes, j'ai envie de dire, à s'asseoir et à regarder hein, ce dernier duel. Allez, ça dégage. La voici, la tant convoitée, la couronne de notre future queen du Martins Drag Show. Mais avant ça, un ultime duel. Miskina versus la Queen Amman. C'est le moment, mesdames, de tout donner, de jeter vos dernières forces, nous faire rêver, j'ai envie de dire. It's now or never, bitches. Vous êtes prêtes? I was born ready. Yeah. Let's go. Mm. Musique dans 3, 2, 1. Let's go. Plus fort. Oh, wow. Oh. Oh, il y a le petit vibrato. Oui, moi ça me fait tout, ça me... Il y a le vibrato, ouais. Oh! Oh.
C'est bien ça. Elle donne tout, elle donne. Elle donne vraiment dans la voix. Hein. Ouais. Ah ouais. Oh. Pas mal. Oh. 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 Yes. Oh. Oh. Elle enlève tout. Oh. Elle enlève tout. Oh. Oh. Il dévoile la vérité. Oh. 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 Oh là 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 là. La chanson prend une toute autre tournure. Oh. Grèce. Sublime. Oui. Joue le théâtre, tu m'avais dit. Ah ouais. Mec, je vous c'est jure, énorme. C'est génial. Oui, bah oui, c'est tellement un bonheur. Génial. Reprenons nos esprits, s'il vous plaît. Waouh. Il faut maintenant qu'on... On se concentre. Tu t'es libère. On va du coup demander à vous toutes en fait de vous lever et de rejoindre Miss Kina et la Queen Amman. Alors il est important pour nous de vous faire part de notre ressenti avant même de couronner qui que ce soit. Ce que nous venons de voir, c'est exceptionnel. Il y a tellement de choses qui me viennent en tête, mais j'ai d'abord envie de vous remercier d'avoir joué le jeu et surtout d'avoir eu cette ouverture d'esprit, oui. De le faire en fait. Et d'aller à fond. On a vu que vous avez aimé et passé vraiment fondamentalement un bon moment. Ouais, C'est-à-dire que c'était vraiment pas un exercice facile parce que rentrer dans les personnages et tout, c'est un truc. En plus, on est entouré de gens, donc costumiers, maquilleurs, maquilleuses incroyables, donc qui connaissent ce monde et qui nous ont chouchoutés. On avait peur de pas assez les mettre à l'honneur. On a mis du temps, mais au bout d'un moment, ça devient vraiment extraordinaire à faire. Grave. Au début, on prenait un peu ça à la rigolade parce qu'on pensait rigoler et puis c'est sous ta chaîne donc voilà. Et en fait, ça s'est vu à la finale, mais on a pris le truc vraiment à cœur et j'ai trop kiffé. Le fait que vous le preniez autant au sérieux et que vous voyez justement tout l'art, tout le théâtre qu'il y a derrière et ce que ça représente pour plein de personnes, je trouve ça très très beau et je pense que c'est Rose et Pounani qui peuvent vraiment mettre les mots sur ça parce que vous mettez en lumière cet art justement. Non, mais absolument, c'est magnifique de voir que vous êtes prêté au jeu. On se rend bien compte que le drag est un art et qu'il est pour tout le monde, peu importe son genre, ses orientations absolument. Sexuelles, etc. Ça ne veut rien dire de vous. À part que vous êtes absolument exceptionnel. Oui, exactement. Et sublime. Oui. Oh. Bravo les filles. Mais il ne peut y avoir qu'une seule gagnante. La toute première queen, notre première reine de ce tout premier Martin's Drag Show est... La Queen Amman! Allez! C'est faux! Oh! Bravo! Mais non, mais putain! Vous méritez tellement, mec! Un fidèle sérieux, moi! Attends! On va pas me voir dedans. Baby, please, come! Yeah! Oh, vous avez dit, c'est horrible! Ah, là, je suis dans ma jalousie, là. Ah ouais, elle est magnifique. Ah! Ah! Ouh! Bravo, les filles! Oh, go! Attention, on tombe. Donc, ça tombe, hein. Ça glisse. Je peux mettre... Oh, merde, il est tombé. Non. Attention, hein. Voilà. Enfin, Miss Kina, pardon. Ouais, t'es donné, c'était tellement créatif. Je veux quand même dire merci Martine, merci l'équipe. Mais franchement, je tiens à dire que quand même, la fin Léo était ultra créative. Oui. Très très bonne idée. C'était incroyable. T'aurais mérité absolument. Je la partage avec toi une semaine sur deux pendant les vacances scolaires. Bravo tout le monde. Alors, avant de vous quitter, je tenais bien évidemment à remercier encore une fois toutes nos participantes. Vous avez absolument été grandioses et à la hauteur du show que je voulais proposer pour ces fêtes de fin d'année. Encore merci du fond du cœur et du fond finalement de ce que vous voulez. Ensuite, ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans mon équipe de choc. Merci à toute mon équipe, toute l'équipe technique. Merci aussi à RhinoShield d'avoir pu rendre tout ça possible. Merci à vous et n'oubliez pas mon code grosse bûche pour 15%.
15% de réduction sur tout le site Rhino Shield. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine, la cravacheuse de Pine. Ciao. Joyeux.